Dans cette vidéo, vous allez apprendre à fabriquer un sérum de lactobacilles. Cet engrais biologique à base de lait se fabrique avec des ingrédients peu coûteux et largement disponibles. Cet engrais est connu sous le nom de sérum de laboratoire. Beaucoup de gens l'appellent Labou Sérumon. C'est l'un des engrais microbiens les plus puissants que l'on puisse faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment fabriquer du sérum de laboratoire, un engrais de lait riche en lactobacilles. Nous allons en préparer 10 litres. Un agriculteur possédant plus ou moins un demi-hectare a besoin d'un litre de sérum par saison. L'ensemble du processus prend 11 jours. Ce qui permet la fermentation des microbes et leur multiplication. Chaque étape de fabrication est simple à réaliser. Étape 1. Se préparer. Le seul équipement dont vous aurez besoin est un seau en plastique de 20 litres, un bâton pour mélanger, un filet pour couvrir le seau et un élastique ou un morceau de ficelle pour attacher le filet au seau. Les ingrédients sont un demi-kilo de riz, peu importe la qualité, 2 litres d'eau, 10 litres de lait dont vous n'aurez besoin qu'après 5 jours et 5 litres de mélasse de canne à sucre. Le riz est trempé dans l'eau. Cela produit un liquide riche en amidon. L'amidon agit comme un aimant pour les microbes. Le lait, quant à lui, produit le lactobacille qui est l'ingrédient actif de notre engrais. La mélasse fournit la nourriture dont les microbes ont besoin pour se développer. Étape 2. La fabrication. Bon, commençons à rassembler nos ingrédients. Je vais mettre mon demi-kilo de riz dans le seau. Et je vais aussi verser mes 2 litres d'eau dans le seau. Je veux retirer le plus d'amidon possible du riz. Je vais donc le laisser tremper toute la nuit pour en retirer le maximum d'amidon. Voici du riz que j'ai fait tremper hier soir et comme vous pouvez le voir, l'eau est déjà bien composée. Ce liquide est appelé solution de riz. Et je vais frotter les grains de riz pour en retirer le maximum d'amidon possible. Pour faire ça, je vais frotter le riz comme je le fais actuellement. Une fois que j'ai retiré le maximum d'amidon, je vais séparer les grains de riz de la solution, c'est-à-dire le liquide. Je verse simplement la solution de riz dans un autre seau. Ensuite, pour empêcher les insectes d'entrer, je le recouvrirai d'un filet et j'utiliserai quelque chose que je trouverai autour de moi pour attacher le filet. Et ce riz, je peux soit le cuire et le manger aujourd'hui, soit le faire sécher et le cuisiner plus tard. Je vais maintenant laisser reposer la solution de riz pendant 5 jours, ce qui va attirer toutes les bactéries présentes dans l'air. Bon, voici la solution de riz qui est en attente depuis 5 jours. Maintenant, notre liquide a formé 3 couches. Vous verrez une sorte de farine en bas. Parfois, vous verrez comme une peau sur le dessus. Nous n'avons besoin ni de la peau sur le dessus, ni de la farine au fond. Donc, je vais mesurer 1 litre de solution de riz fermenté. Pour ce faire, j'utilise une vieille bouteille d'eau que j'ai découpée et qui sera mon récipient de mesure. Quand je la verse, je veux m'assurer que je n'enlève pas la farine du fond. Comme vous pouvez le voir, j'ai ma farine au fond de mon seau
et j'ai mon litre de solution de riz fermenté prêt à être mélangé avec mon lait. Ensuite, nous allons verser le litre de solution dans 10 litres de lait. Et après, je vais couvrir mon seau avec un filet et l'attacher pour empêcher les insectes d'y entrer. Je vais ensuite le laisser de côté pendant 5 jours pour qu'il fermente. Après 5 jours, voici à quoi cela ressemble. Vous remarquerez 3 couches distinctes. Le fromage, les lactobacilles crus et la farine au fond. Maintenant, je vais séparer les lactobacilles du fromage. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'un autre seau. Je vais laisser le filet en place et l'utiliser comme un tamis. Ainsi, lorsque je verserai le lactobacille, le fromage restera dans mon premier seau. Nous avons maintenant le lactobacille brut dans un seau et le fromage dans un autre. Si nous avons conservé le fromage propre et hygiénique, nous pouvons le manger. Sinon, nous pouvons en donner aux animaux ou à nos poulets. Ils adorent ça. Ensuite, je vais ajouter de la mélasse à mon lactobacille brut. La recette est la suivante. Une part de lactobacille brut pour une quantité égale de mélasse. Je vais donc utiliser mes doigts pour mesurer afin d'obtenir la quantité parfaite. Je vois qu'il s'agit de 4 doigts de lactobacille cru. Donc, il me faut 4 doigts de mélasse. Ajoutons la mélasse. Maintenant qu'il y a de la mélasse, je vais devoir bien mélanger le tout. Maintenant que j'ai mélangé, il est prêt à être stocké. Je peux le couvrir avec mon couvercle ou l'utiliser quand je le veux, ou je peux le stocker dans des bouteilles fermées. Étape 3. Comment diluer? Lorsque je suis prêt à l'utiliser, je dois le diluer avec de l'eau. Le taux de dilution est de 1 à 500, ce qui signifie que pour 1 litre de mon sérum de laboratoire, je dois l'ajouter à 500 litres d'eau. Mais la plupart d'entre nous utilisent une jerrycan dans nos exploitations. Et je vais donc vous montrer comment utiliser le bouchon de la jerrycan pour mesurer votre sérum lorsque vous voulez utiliser votre lactobacille. Nous avons donc ici une jerrycan. Et je vais utiliser le bouchon comme mesure. Pour une jerrycan de 20 litres, il me faut 2 bouchons pleins. Ma jerrycan était vide, j'ai donc mis les 2 bouchons pleins et je vais la remplir d'eau. Par contre, si ma jerrycan était déjà pleine d'eau, j'ajouterai juste 2 bouchons et je la refermerai. Et là, je secoue très très bien pour que le sérum soit mélangé à l'eau. Je suis prêt maintenant à l'utiliser sur les plantes de ma plantation. Étape 4. Comment l'utiliser? Nous faisons cela 5 fois au cours de la saison. Lors de la préparation du terrain, nous l'aspergeons sur le sol. Lors de la préparation des graines, nous les faisons tremper dans du sérum dilué pendant 12 heures au maximum. Ensuite, dès que les petites plantes ou les semis apparaissent, nous aspergeons à nouveau le sérum. Et aussi, quand on voit les premières fleurs. Et enfin,
lorsque nous voyons les premiers signes de récolte, tels que des petits légumes sur la plante. Pour l'appliquer sur les plantes en croissance, nous pouvons l'asperger sur la plante à l'aide d'un balai à gazon, un pulvérisateur à dos, ou simplement le verser autour de la tige de la plante. Étape 5. Test des engrais. L'agriculture consiste à découvrir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Chez LifeWorks, nous formons les agriculteurs et les formateurs afin de permettre de tester l'action des engrais microbiens sur les cultures. Nous vous suggérons de mettre en place une parcelle d'essai pour voir la différence que font les engrais et le compost. Vous pouvez également télécharger une fiche de collecte de données sur notre site web. Aujourd'hui, nous vous avons montré comment faire un sérum de laboratoire. Regardez nos autres vidéos pour voir comment vous pouvez améliorer le rendement de vos cultures avec d'autres engrais microbiens et un compost organique prêt en 18 jours.